pour changer, je suis en retard. Cinquième manche, Narc, je crois que c'est la cinquième manche. C'est à Solo Kart, City Kart, non, Solo Kart, à Sautron, un circuit que je connais. On va voir, on va voir. En qualif, tout est bien, mais en fait le problème sur ce circuit, c'est que si on veut faire un bon temps, il faut avoir la spi, où il faut se faire pousser, il faut se faire aider, ce que je n'avais pas. On s'est pas compris avec Léonard. On était tous les deux en qualif, on avait à peu près le même rythme, sauf qu'on s'est pas compris. Moi, je décidais d'avancer pour qu'il me pousse, quoi, pour qu'il m'aide et pour que moi je lui donne la spi. On s'est parlé après, il n'avait pas compris. Et du coup, ça fait que je fais pas un temps super terrible. Je fais un 43-7 et ça me place 4e du groupe B. Donc, pas terrible, mais 4e, ça veut dire que si je reste 4e pour la course 1, et ben, je peux monter dans le groupe A pour la course 2. Après, la course 2, ça s'est bien passé, je crois. Au début, on fait un 3 de front au bout de la ligne droite, au freinage, avec Louison et Richard. C'est chaud. Mais je crois que j'arrive à rester 4e. Je crois que j'ai perdu la 4e place et je l'ai récupérée. Je sais plus. Et du coup, après, le but, c'était de rester derrière les trois premiers, bah, qui restaient ensemble, et de rester 4e pour monter en groupe A pour la course 2. Une course où j'étais pas mal, je crois que j'ai fait le meilleur temps de la course, donc sympa, c'est bon à prendre.
T'as bien fermé les cordes, il n'y avait pas moyen de passer. En plus, quand j'étais à côté de toi, dès que je me débordais, enfin, dès que je sortais, je me débordais plus vite que toi. Ah, bien joué, bien joué. C'était toi derrière moi ? Ouais, bien joué. Et pour la course 2, ça s'est pas bien passé au départ parce que je sais pas. Déjà, je me lance mal. Ensuite, je sais pas ce que je fous. À un moment, je me retrouve presque côte à côte avec Nicolas, je crois que c'était. Et je pars totalement à l'extérieur et je glisse et je vais presque dans l'herbe. Et je perds un tas de temps. Et je perds surtout l'aspi, la divine aspi pour ce circuit. Donc c'est vraiment pas terrible, hein, on va pas se mentir. C'était un départ, enfin des premiers tours, deux, trois premiers tours de merde. Et voilà, après le reste de la course, ça a été remonté, remonté, remonté. Et entre-temps, il y a eu un accrochage, du coup j'ai gagné 3-4 places je crois. J'étais 13e et je finis. Enfin, je me place 8e du coup. Du coup,
Je remontais petit à petit sur le groupe devant, sur Clément, sur d'autres. Devant moi, c'était Clément et je voyais que je revenais tout dans le secteur sinueux parce que vu que j'étais tout seul, j'avais pas d'aspi, personne pour m'aider derrière. Donc tout ce que je pouvais faire, c'est revenir dans le sinueux. Et devant, ça se poussait à l'aspi, mais ça perdait du temps dans les 2-3 virages sinueux qu'il y avait parce qu'ils étaient tous les uns derrière les autres. Et du coup, je crois que j'ai fait un 42-9. Je sais pas si c'est le meilleur tour de la course. Parce que je finis 8e au final de la course 2 en groupe A et ça me place 14e au général. Ça a pas bien commencé avec la qualif où c'était pas bien joué de ma part. Course 1, honnêtement, je peux pas faire grand chose si ce n'est tenter une attaque suicidaire sur Nicolas devant, mais bon, ça servait à rien puisque il fallait être dans le top 4 pour monter en groupe A et c'est ça l'objectif, donc je suis resté 4e. Et course 2 plutôt, dans le groupe A. Vraiment pas content de moi au niveau des premiers tours, même si après je sens que j'étais en feu sur la fin de course. À partir de la moitié fin de course, à partir du moment où il y a eu les accrochages et que je voyais qu'il fallait que je remonte à fond sur le groupe devant, je sais pas pourquoi là il y a eu un truc dans ma tête, j'arrivais à remonter. Et voilà, il me manquait quelques tours, hein, honnêtement, avant de recoller sur eux, mais ça veut dire que j'avais le rythme. Bon, après, la course n'était pas lestée, donc forcément, ça joue un peu en ma faveur. 14e au général, c'est pas top, mais on se rattrapera à la prochaine, parce que la prochaine, elle est à domicile, elle est à Saint-Michel-Chef-Chef, et ici, je connais le circuit, donc j'espère que je vais avoir une bonne course, que je vais faire, que je vais être dans le rythme et que je vais être bon, quoi. Voilà. Je tente un nouveau format comme ça, un peu plus parlé, plus que des vidéos on-board de pilotage, parce que faut rendre les vidéos intéressantes et je trouve que ça rendra un peu plus intéressante la vidéo. Voilà, si t'aimes pas, bah tu me le dis, et si t'aimes bien, bah tu me le dis aussi, il n'y a pas de souci. On est là pour s'améliorer et faire les choses bien. Ça m'a cané en vrai cette course. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à plus sur la piste. Ciao les gars.